بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فتزكية النفوس وإصلاح القلوب c'est quelque chose de très important pour le mu'min أي purifier son cœur se nettoyer de l'intérieur لأن الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها المفلح celui qui réussira يوم القيامة celui qui aura réussi C'est celui qui a zakki son nafs, son cœur. Wa qad khaba man dassaha. Et celui qui sera perdant, c'est celui qui n'a prêté aucune attention à ce cœur. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh. Fal muwaffaq C'est celui qui prendra du temps à se corriger. C'est celui qui prendra du temps pour soigner ce cœur. لِأَنَّ هَذَا الْقَلْبِ إِذَا صَلَحَ Si ce cœur, il est طيب, il est à l'istiqama, il accepte l'ilm, à tous les membres, ils suivront. لِأَنَّ هَذَا الْقَلْبِ سَبِمَنْزِلَةِ الْمَلِكِ وَالْجَوَارِحِ تَابِعَةٌ لِلْمَلِكِ Ce cœur, c'est comme le roi de ton jisme. S'il est à la khayr, toutes les autres parties du corps, elles suivront. S'il est à la shar, il est marid, ou ayyadam billah, il est mayyit. Enfin, tous les membres, kadalik, ils seront sur, ou ils seront comme le cœur. Wa akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi al-hadith, al-akhar anna al-fitan, tu'arad ala al-qulub, كعرض الحصير عودا عودا الفتن le pluriel de fitna quand cette fitna elle arrive فتهجم على القلب cette fitna elle attaque le cœur au départ قال صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ce cœur qui accepte cette fitna ce mal فينكت فيه نكتة سوداء un point noir sur ce cœur. قال صلى الله عليه وسلم وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين. أما le cœur qui rejette cette fitna. لماذا لأن c'est un cœur qui a été éduqué sur le Coran et la Sunna. C'est un cœur qui a accepté le haq. C'est un cœur qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cœur qui a été soigné qui a été traité. Si une fitna elle arrive, que ce soit une fitna de minash shahawat ou minash shubuhat, ce cœur il est prêt et il la repousse. Ce cœur qui la repousse, un point blanc sur ce cœur. Hatta tasiru al-qulub, les cœurs, après cela, tu auras deux catégories. Comme akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala qalbun abyad mitl as-safa, un cœur blanc. قال عليه الصلاة والسلام فلا تضره فتنة لا فتنة elle lui fait aucun mal لماذا لأن ce cœur il a été traité il a été préparé ce cœur son but c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas de se montrer c'est pas d'avoir le dessus لا يتواضع لله c'est un عبد لله c'est un serviteur il se rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala يوفقه cette fitna elle lui fait aucun mal. ثم قال صلى الله عليه وسلم والآخر أسود le deuxième cœur noir. لأن à chaque fois qu'une fitna vient, un point noir. Une shahwa, une shubha, une ma'asiyya, une bid'a. Ça fait des points noirs sur ce cœur. حتى il devient complètement noir. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية أي c'est comme un récipient qui est retourné. Il n'accepte plus le haq.
comme un récipient que tu retournes et tu veux verser de l'eau, le remplir de l'eau. Il n'accepte plus, il ne peut pas se remplir. L'imada, il est à l'envers. Il a comparé à ce récipient noir qui est retourné, qui n'accepte plus le nasiha. Il n'acceptera plus le haqq. Il acceptera que ce que ses patients et lui dictent. قال صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Il n'accepte plus le ma'rouf et les bons conseils. Il rejette plus le mal, le munkar, sauf ce qui correspond à ses passions. عياذا بالله. Pourquoi? C'est quoi la différence entre ces deux personnes? C'est le cœur. Un cœur qui a été traité, qui a été soigné, qui a été purifié. Il accepte le haqq et il se rabaisse. Lillahi azza wa jal. Et un autre cœur qui a été éduqué à l'al-kibr, l'orgueil, ou al-hiqd, ou al-hasad, la jalousie, ce cœur il n'accepte plus al-khayr. Allez, hada, se rappeler ce genre de sujet, fi tasfiyat al-quloub, wa ilaj al-quloub, et comment soigner son cœur, comment purifier son cœur, fasi min ahamma yakoun, les al-muslim. C'est un des sujets les plus importants. لماذا لأن si ce cœur il est bon comme تقدم في الحديث, inshallah toutes les œuvres qui suivront elles seront bonnes. لماذا لأن la source, la base, elle est طيبة, elle est le cœur. والعكس بالعكس. لهذا المسلم donne beaucoup d'importance à son cœur. في الحقيقة c'est ton capital. يوم القيامة si ce cœur il est bon, fa inshaAllah ta'ala, ce 'abd, il aura réussi. قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour-là, يوم القيامة, لا ينفع مال ولا بنون. Ni bien ni enfant, ils seront d'aucune utilité pour l'abd. Fa tous ces biens que tu as, ces enfants, ces maisons, ces voitures, yawm al-qiyamah, c'est d'aucune utilité. Sauf pour celui qui a utilisé ces choses fil khayr. Qala azza wa jal, illa, sauf, man atta Allah bi qalbin salim. Hada, ces œuvres lui seront utiles. Ces enfants, bi idnillahi azza wa jal, s'il les a éduqués à la taqwa wa salah, ils lui seront utiles fi hayatih wa ba'd mamatih. Quand il est vivant, il l'aide. Et il lui montre le khayr et il patiente sur lui. Et après sa mort, ils font du'a pour lui. Hakada al-mal, ce mal halal, il va être utile pendant la vie de ce 'abd. Et kadalik, après sa mort, s'il a fait du khayr, sadaqat, wa ta'aoun ma'a al-muslimin, etc. Le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré la cause qui te sauvera, akhil karim, c'est ce cœur lakin. القلب السليم. C'est pas n'importe quel cœur. Et ta'lamoun anna, les êtres humains en général, ils donnent beaucoup d'importance à la médecine. Hada ma'rouf. La médecine du corps. Se soigner, ne pas avoir de maladie, se protéger, il akhir. Lakin al-mu'min, il doit donner beaucoup plus d'importance à la médecine du cœur. Kama anna al-jism, et le corps, il y a des médecins qui sont spécifiés pour le corps humain. Bel, certains sont spécifiés dans certains organes. Un docteur pour les yeux, un docteur pour le ventre, un docteur pour la tête. Il a akhri. Fahakada al-qalb, lahu atibba. Ce cœur, il y a des médecins, kadalik, des docteurs qui t'aideront à le soigner. Wa atibba ul-qulub, c'est al-anbiya wal-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyés pour guider les gens bi idnihi azza wa jal. Fal ulama kadhalik warathat al anbiya, c'est les héritiers des prophètes alayhim as-salat wa salam, fa kadhalik, ils ont une part fi hada annahum, c'est des atibba kadhalik. Fal muwaffaq al mu'min as-salih, qui veut al khayr, il donne de l'importance aux deux situations, son corps et son cœur, et le cœur akthar. Lima taqaddam, les hadiths qu'on a cités, et le verset. Wa min al-ulama alladhina i'tanaw bi
هذا كثيرا الإمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. Il a fait beaucoup d'efforts, il a traité ce sujet dans beaucoup de ses livres, alayhi rahmatullah. Que ce soit Zad al-Ma'ad, ou Ighathatul Lahafan, ou d'autres livres. Madarij al-Salikin, il a traité ce sujet, limadha, rahmatullah alayhi, li'annahu, il savait, anna si al-Muslimin, il donne de l'importance à hada, tout le reste, bi'idnillah, ça va suivre. أما أين الفائدة de prendre soin de son corps كما يفعل كثير من الناس الآن. Vous avez remarqué أن la plupart des gens الآن ils donnent beaucoup plus d'importance à soigner, à entretenir leur corps que de soigner et entretenir leur cœur. لكن أين الفائدة si ce قلب il est ميت, il est mort. أين الفائدة لأن يوم القيامة chaque être humain il sera jugé sur son corps, sur son cœur et ses œuvres. أما الكور فسيأكله التراب كلكم من آدم وآدم من تراب قال عليه الصلاة والسلام. Chacun de nous il sera enterré et son corps il sera ربما réduit en poussière. لكن الكور الأعمال que ce soit les œuvres du cœur ou des membres c'est ça qui te sauvera بإذن الله عز وجل يوم القيامة. فنقرأ في هذه الكلمة المختصرة بعض كلام هذا الإمام. On lit certains passages de ce livre khas, Ighathatul Lahafan, fi masayid al-shaytan, l'imam ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a traité ce sujet khas au début, plusieurs chapitres, il a traité ce sujet, la purification du cœur. Fa'awulan, rahmatullah alayhi, il a démontré an al-qulub tanqassim ila thalatha. Il y a trois sortes de cœurs. Pourquoi cette étude elle est importante? Pour s'améliorer, il faut connaître la cause du mal. Pour se soigner, il faut connaître la raison de la maladie. Un واحد qui ne connaît pas sa maladie, comment il va se soigner? Comment il va chercher un remède? Il ne sait même pas qu'il est malade. فَعْلَمْ أَوَّلًا حَفِذَكَ اللَّهِ أن القلوب يا trois catégories. القلب الأول le premier cœur القلب السليم le cœur pur وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. C'est ce cœur qui sera utile عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. C'est ce cœur qui causera, بإذن الله عز وجل, la réussite de ce abd يوم القيامة. Donc, المُوفق, المؤمن, il doit tout faire pour avoir ce cœur. القلب السليم. قال والقلب السليم هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم. C'est un cœur qui s'écarte des ashahawat et des passions qui contredisent din Allah Azza wa Jal. Al-ma'asi, ayyadan billah, les péchés, que ce soit l'injustice, que ce soit le regard, que ce soit mauvaise intention, que ce soit la jalousie, que ce soit غير ذلك من al-ma'asi. قال ومن كل شبهة تعارض خبره. كذلك ce cœur il s'écarte des shubah. Des shubah qui vont faire du mal à ce ab. Et Rabbama, cette shubha, elle va le pousser à avoir des doutes sur son dîn. قال ابن القيم رحمه الله فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غيره غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce قلب, il a deux bases essentielles. أنه il se soumet à Allah سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فتوتes les عبادات de cette personne elles seront fondées sur l'ikhlas. Limadha li'anna ce cœur, c'est un cœur de mukhlis. Enfin, il se rabaisse lillahi azza wa jalla. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il espère rahmat Allah azza wa jalla. Il a peur min Allah subhanahu wa ta'ala. Il a peur de personne d'autre. Et il espère de personne d'autre. Limadha li'anna Allah azza wa jalla, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Hadha al-qalb al-an, ce cœur pur, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala.
أما بعض الناس عيادا بالله leur cœur ils sont soumis à des مخلوق. بعض الناس ils ont peur من الجن et ça le pousse à adorer ce djinn. بعض الناس ils espèrent d'un mort, que ce soit comme ils appellent un seyyid ou un shaykh ou un nabi ou un malak, ils espèrent de ce مخلوق quelque chose, alors qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut leur donner cette chose, que ce soit la guider, la guérison, il a akhiré. Al-qalbu salim, il est soumis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première base. La deuxième, qala wa salima min tahkim ghayri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, on a ce cœur, il a la conviction, on a celui qui mérite d'être suivi et qui doit être suivi, ala kulli hal, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ghayr. Amma autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, enfin, on peut prendre son qawl, on peut le délaisser. Il peut avoir raison, il peut se tromper. Il peut avoir une bonne intention, il peut avoir une mauvaise intention. Fal ibra sabi ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, celui qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ala al-haq, ala al-jadda. Celui qui contredit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, imma c'est par ignorance, imma c'est par avec ses passions, iyadun billah, par orgueil, al-muhim, son kalam, il sera pas haq wa sawab. Enfin, ce cœur-là, il a deux bases, al-ikhlas ou al-mutaba'a. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux bases, c'est l'explication des deux shahadas. La ilaha illallah et la ma'bouda haqqun illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et la conviction annahu c'est un rasul min Allah, et on doit le suivre. قال ابن القيم رحمه الله عليه الذي سلم من ان يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله. Ce cœur, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il déteste le shirk et il s'écarte du shirk. قال إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء إلى آخره. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il cite des ibadat du cœur, que ce soit l'espoir, le raja, que ce soit le khouf, la peur, que ce soit la crainte, le khashya, toutes ces ibadat, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa in ahabba ahabba lillah. Kadhalik, ce cœur salim, ce cœur pur, si il aime, il aime pour Allah. Azza wa jal. Il aime pas par intérêt, il aime pas par peur d'un autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime lillahi azza wa jal. Si ce abd, il est à la stiqama, il est à la huda, c'est un muslim, il l'aime, fillahi azza wa jal. Qala wa in abghada, abghada fillah. Et s'il déteste, il déteste fillah. Même si c'est un proche, même s'il lui rend des services, même s'il a un bon comportement ma'a, si c'est pas un mu'min, il croit pas en Allah azza wa jal, il croit pas en son messager sallallahu alayhi wa sallam, il le déteste fillah. Limadha li'anna son cœur, il est pur. Son cœur, c'est lillahi azza wa jal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la. Amma al-ba'd, ils aiment par rapport à leurs intérêts. Falihada, tu trouves ba'd al-du'afa min al-muslimin, ils ont rubbama des doutes, est-ce qu'il faut détester al-kafar? À cause de leur ignorance, et ils n'ont pas compris ces points essentiels, peut-être qu'il va dire, ce kafir, il a un bon comportement, il m'a rendu service. Enfin, il ne trouve plus la force de le détester. L'imada, l'yanna, le cœur, il est malade. Ba'duhum, leur hub et leur bord, c'est par rapport à son nefs. Falihada, si wahad lui fait du mal, il le déteste, même si c'est un mu'min. Si wahad lui fait du bien, il l'aide, il l'aime, même si c'est un kafir. Alors que le muslim, là, il aime le muslim, même s'il lui a fait du mal. L'imada, l'yanna, c'est un hub fillah. Et bien sûr, si ce musulman il a des manquements, il commet des injustices, on va le détester par rapport à ces points-là. Lakin, on le déteste pas mutlaqan. Limadha li'anna c'est un musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala amrana bi hubbi. Et le kafir, Allah amrana bi bughdi. Enfin, celui qui, son cœur, il est saint, il est pur, son amour et sa haine, ça sera pour Allah, pas pour le bachar. Qala rahmatullah alayhi. وَإِنْ أَعْطَى أَعْطَى لِلَّهِ وَإِنْ مَنَعَ مَنَعَ لِلَّهِ. S'il donne, c'est pour Allah Azza wa Jal. S'il donne pas, c'est pour Allah Subhanahu wa Ta'ala.
C'est ça que tu trouves le mu'min as-salih. Ahyanan, il donne, ahyanan, il ne donne pas. Ça dépend de la cause. Si c'est un khayr et c'est pour dîn, Allah, il donne. Si c'est pour du ithm ou l'udwan, فلا يتعاون في ذلك أبدا. فإعطاؤه ومنعه سلله عز وجل. كذلك هذا القلب السليم بعض السلف رحمة الله عليهم كما بين ابن القيم رحمه الله قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. Celui qui a ce cœur pur, même s'il veut faire une petite chose, fadlan, une chose qui a beaucoup d'importance, même si c'est quelque chose qui n'a pas grande importance, inda ba'd an-nas, fa huwa, cette petite chose lui donne de l'importance. Fa li hadha qalu, il se pose la question, lima wa kayf, ay lima fa'alt wa kayf fa'alt. Ça c'est important. Ce cœur pur, il va pousser ce abd avant de faire à se poser deux questions. Lima et Kayf. Pourquoi je dois faire cette œuvre et comment je dois la faire? Qala, fal awwal su'al an 'illat al-fi'l. Hal huwa hadhun 'ajil min hudud al-'amil wa gharad min aghrad ad-dunya ila akhiri. Est-ce que ce amal qu'il va faire, c'est pour se montrer devant les gens ou c'est parce qu'il y a un bénéfice de dunya ou c'est لله عز وجل. مثلا شهر رمضان il est قريب. فالمؤمن qui va faire الصيام, qui va jeûner, il doit se poser cette question. لماذا je veux faire الصيام? Est-ce que c'est parce que les gens y font? Celui qui fait parce que les gens y font, son cœur il est malade, عياذا بالله. Pourquoi tu fais الصيام? لأن الله عز وجل أمرك. فالسلبي سنية c'est d'obéir à الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est pour ça qu'il fait الصيام, لأن il veut se rapprocher d'Allah et c'est une force عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. C'est ça sa niya, c'est pas les gens. C'est pour ça que tu trouves بعض الناس ils font الصيام. Les malades, c'est comme une coutume, c'est devenu automatique. Le cœur, il est malade. As-siyam, il ne lui rajoute pas grand-chose, fil haqiqa. C'est pour ça que, كثير من هؤلاء, tu les trouves, en بعد رمضان, ben, ils ont l'intention, après Ramadan, de retourner à ce qu'ils faisaient, من معاصي ومخالفات. عيادا بالله. أما القلب السليم, là, il se pose دائما cette question. Pourquoi je fais Ramadan? Pourquoi je vais au masjid? Pourquoi j'ai fait le hijra? Pourquoi j'étudie l'ilm? Pourquoi je cherche à apprendre ila akhirah? Daiman la réponse ça doit être lillahi azza wa jalla. Si tu sens que ton cœur il a fait, et c'est ça le faïd al-azima de cette question. Lianna nahnu al-an on essaye de se purifier ce cœur, de se soigner. Si wahid minna il ressent il a fait cette chose, et fil haqiqa quand il se pose la question, il s'aperçoit que ce qui l'a poussé à faire c'est autre que Allah azza wa jalla, fa il est marid, il est malade. Il faut l'un qui trouve une solution pour s'écarter de cette niya fasida. Deuxième question, kayf. Comment faire? Maintenant, on reste sur Ramadan. Alhamdulillah, tu as une bonne niya. Tu veux faire Ramadan pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que Allah te pardonne tes fautes, tes péchés. Al-an, c'est une ibada azima. Fa kayf? Kayf tasoum? C'est quoi qui est interdit de faire? C'est quoi qui est autorisé? Al-siyam, ça commence quand? C'est quoi les choses qui annulent? Si j'ai manqué un jour, qu'est-ce que je dois faire? Cette question, elle va te pousser à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à faire des efforts fil ilm. Qala rahmatullah alayhi, athani su'al an mutaba'ati rasul alayhi salatu wassalam fi dhalika ta'abbud. Chaque ibada akhil karim, tu dois te poser cette question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait? S'il a fait cette chose, comment il l'a fait? Comment il a fait cette chose? Al-Ba'd al-An, ils ont une bonne niya, mais ils font des choses, c'est des bid'ah, des khurafat. Si tu lui demandes d'où vient cette chose qui fait une source, abadan, il peut te citer une référence. Imma, les parents, ils ont fait, imma, dans son bilad, ils font, imma, un rêve, imma, les gens, ils ont dit, amma, un dalil min kitab illahi azza wa jal.
ou min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas le citer, les anas, c'est une bid'a, c'est une invention. Qala, ay, hal kana dhalika al-amal mimma shara'athu, na'am, ou shuri'at laka ala lisan rasouli. Est-ce que cette ibada, elle est légiférée? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé, il a montré, il a approuvé, il a fait cette chose. Amla. Enfin, si la réponse est non, écarte-toi, c'est du char. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dhalal. Sharra al-umur muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'a, wa kullu bid'atin dhalal. Chaque chose inventée vidinillah, c'est un mal et c'est pas accepté. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad, fala tut'ib nafsak. Enfin, le cœur pur, al-qalb al-salim, il est fondé sur ces deux bases, deux piliers, al-ikhlas ou al-mutaba'a. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-qalb al-thani, le deuxième cœur, al-qalb al-mayyit, un cœur iyadan billah qui est mort. Le premier cœur, il est vivant et il est salim. Il n'est pas malade. Wallahi alhamd. Le deuxième, il est mort. Qala wa huwa didd al-awwal, c'est le contraire du premier. Wa huwa alladhi la ya'rif rabbah wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yarda. Bal huwa waqifun ma'a shahawatihi wa ladhatihi wa law kana fiha sakhat rabbihi wa ghadabuhu. Ce cœur, iyadan billah, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adore pas Allah. La tawhid, la salat, la siyam, la shay. Cette personne, iyadan billah, elle vit comme un animal. Limada, lianna hadha al-abd, normalement, Allah il l'a créé pour un hadaf azim. Wa ma khalaqtul dinna wal insa illa liya'budun. Il s'est écarté de tout ça, iyadan billah. Hatta il se rabaisse au niveau des animaux. Et fil haqiqa, comme a dit Azza wa Jal, bel hum adhallu sabila. L'animal, il a été créé pour ça. Il ne fait pas partie de le taklif. Il fait salat, faire siyam. Il n'a pas la raison. Il ne comprend pas toutes ces choses. Lakin, al-abd, il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Une ibada shara'iyya, l'annahu il est min al-mukallafin. Il s'est écarté de hada. Il est adhall. Il est encore plus égaré, iyadan billah. Qala. فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. Ce cœur, il est soumis à autre qu'Allah Azza wa Jal. Imma shaytan, imma makhlouq, imma son nafs, ayyadan billah. قال إن أبغض أبغض لهواه وإن أحب أحب لهواه. Si il déteste, c'est pour le hawa. C'est pour ça que tu trouves ce genre de personne, ربما il déteste الصالحين بل يدتست الأنبياء والرسل يدتست المؤمن الصالح بوركوا الهوى سي لي باسيون tu trouves الان الكفرة qui ont ce cœur mort عياذا بالله ils détestent ربما مؤمن ils le connaissent pas il leur a rien fait et ils le détestent لماذا الهوى لانهم ils font partie de Junoud Iblis et Iblis il les pousse à هذا. Amma nahnu on les déteste même si on ne les connaît pas. Limada? Li'annahum ils ont désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas l'iman billah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi ila akhir. C'est pour ça qu'on les déteste. On a cette raison. Et Rabb subhanahu wa ta'ala amarana bi هذا. C'est pour ça qu'on les déteste. Amma hum pourquoi ils détestent les mu'minin? Al-hawa. Et la cause, c'est ce cœur, iyadan billah, mayyit. Ils n'arrivent plus à discerner le bon du mauvais. Tout est basé sur le hawa. Qala, in abghada abghada li hawa, wa in ahabba ahabba li hawa, wa in a'ta a'ta li hawa, wa in man'a man'a li hawa. Si il donne, c'est pour le hawa. Si il donne pas, c'est pour le hawa. C'est pour ça que tu trouves, haoula, c'est les personnes qui se contredisent le plus. Un jour il donne, un jour il donne pas. Un jour il doit donner, c'est le contraire. Hakada, iyadan billah. Amma al-mu'min la. Al-mu'min il a un mizan tayyib. Il a une chose qui va l'aider toute sa vie, c'est al-kitab ou sunnah. Amma celui qui n'a pas le kitab ou sunnah, ça yatakhabbat fi dhulumat al-jahl. Limada li'anna il a rien pour l'éclairer. C'est comme une personne, iyadan billah. Cette personne elle marche dans l'obscurité. Ni lampe.
ni lumière, ni rien pour lui montrer la route. Ça, c'est yatakhabbat. Beaucoup de choses, elles vont lui faire du mal. Et Robama, il va perdre beaucoup de temps. Robama, il va revenir en arrière. Amma al-mu'min la. Et là, al-huda wa al-nur ma'a. Aya al-Qur'an wa al-sunnah. Qala, fal-hawa imamuhu. والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه تأملوا هذا الكلام الجيد الشهوة قائده son guide c'est ses passions الشهوة c'est pour ça qu'عياذا بالله بعضهم ils font des معاصي خطيرة جدا à cause de leur شهوة حتى ils ont atteint un niveau الآن أنهم اللواط C'est une moussiba azima. L'homosexualité, pour eux, c'est devenu quelque chose de normal. Belle et combattent ceux qui n'acceptent pas cette jarima. Alors que al-nufus, c'est zakiya. Ou al-fitr al-salim, la chaque un aqil, mu'min, un kafir, il n'accepte pas l'homosexualité. Lakin, comme qala Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, al-shahwa qa'idu. Ce qui le guide, c'est al-shahwa. Qala, wal-jahlu sa'iquhu. Son conducteur, c'est al-jahl. Et là, un conducteur, c'est l'ignorance. Il l'emmène que dans des endroits mauvais, ayyadun billah. Qala wa al-ghaflatu markabuhu. Sa monture, c'est le ghafla. Al-ghafla, c'est l'insouciance. La yatadakkar. Il n'a plus cette ni'ma azima pour se rappeler. Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Julasa, des bons compagnons. Il a akhri qui lui rappelle. Là, sa monture, c'est le ghafla. Il est fi ghafla hatta an yamut illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala illa jid hadha sahib al qalb al mayit na'udhu billah min hadha al qalb troisième cœur al qalb al marid troisième cœur un cœur malade il a l'iman il aime Allah subhanahu wa ta'ala il aime le rasoul sallallahu alayhi wa sallam lakin il a كذلك ghafla wa ma'asi et des mukhalafat ce cœur il est malade C'est pas un cœur salim comme le premier cas, c'est pas un cœur mayyit comme le deuxième cas. Là, il est partagé en deux. Wa huwa qalbun lahu hayatun wa bihi 'illah. Il est vivant. Lakin lahu 'illah comme قال. Al-'illah c'est il a un défaut, il a une anomalie, il a une maladie. Qala falahu maddatan tamudduhu hadhihi marra wa hadhihi ukhra. Il est entre deux choses. Des fois il est avec le haqq et il est avec le khayr. Et parfois, il est avec shar et le batil. Un cœur malade. C'est un musulman, lakin zalama nafsah. À cause des dhunub, des ma'asi et des mukhalafat. Qala, fa fihi min mahabbati Allah ta'ala wal iman bihi wal ikhlas lah wat tawakkul alayh ma huwa maddatu hayatih. Il a l'iman, bien sûr. C'est un mu'min. Et il aime le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. إلى دغ الله سبحانه وتعالى لكن قال وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض والنفاق والرياء والشح والبخل ما هو مادة هلاكه وعطبه لكن il y a des choses très très graves dans ce cœur qui ralentissent ce mu'min ربما ça fait descendre sa foi حتى يهلك l'ignorance Al-kibr, l'orgueil. Al-riya, l'ostentation. Il veut se montrer. Hub al-ulu, il aime se mettre en avant. Al-shuh wal-bukhl, l'avarice. Wa ghir dhalik, min al-ma'asi wa al-mukhalafat, et ça le rend malade. Son cœur, il est malade, et ce mu'min, il est malade. Qala ibn al-qayyim, rahimahullah. Tout ce qu'on lit, c'est min ighathat al-lahafan. Enfin, on ne répète pas. C'est la même source. Sauf c'est dans des passages différents. Qala wa qad yamrad al-qalb. Wa yashtad maradu. Ayyadam billah. Limada on cite ce kalam huna? Lianna al-marad, la maladie de ce cœur, elle peut pousser, elle peut atteindre un niveau, anna le cœur, il meurt. C'est comme le corps. Une maladie. D'un membre, مثلاً, s'il n'est pas soigné et il est délaissé, أهملا, فربما, c'est la cause, أن cette personne, elle meurt. هكذا le cœur. لأن المرض يتفاوت. لكن il faut soigner la maladie. أما délaissé, ça va amplifier, ça va augmenter. حتى ربما يموت عيادا بالله.
قال قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. Ça c'est une musibah. أن بعض الناس ils sont malades du cœur et ils s'en rendent pas compte. Et c'est ça la gravité et le danger. أما les maladies du corps, en général tu sais, إما une douleur, إما des علامات, des choses qui montrent, des indices qui montrent que l'insan il est malade, un changement de couleur, un dérèglement dans le sommeil, des douleurs, ma'rouf. Amma le cœur, celui qui est fait rafla et il est occupé par dunya, farubama il ne s'en rend pas compte. Et jour après jour, sa maladie, elle augmente. قال لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. Elle est là le مصيبة. Ils ont une petite chose dans leur corps, une douleur au pied ou à la dent ou madri, et tu les trouves, ils ont un ijtihad kabir. Pourquoi? Les annahum izam ad-dunya. Et ils savent que cette maladie, elle peut les priver de dunya. Et tu les trouves, fil janib al-akhar, le cœur il est mari jiddan et ils font aucun effort. Limadha li anna al-iman al-dha'if. Et ils ont oublié l'essentiel al-akhirah. Et ils ont mis tout leur espoir fait dunya. Valiada, ils font tout pour garder ad-dunya. Fala tartar. Fais attention, akhi al-karim. Hadi ad-dunya za'ila. Ce corps qui est entretenu, layl nahar, ba'd an-nas, ils ont exagéré fi hada, avec le sport, avec l'embellissement, avec beaucoup de choses. Ce corps, il sera enterré taht al-ard, comme tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin de nous. Là, on prend soin de nous, tant que ça ne contredit pas de dire. Lakin, nos efforts, akthar, c'est le cœur. Si ton cœur, il est bon, bi'idnillahi azza wa jal, t'as tout gagné. Qala, wa alamatu dhalik, fa'idatun tayyiba. Comment savoir, al-an, si ton cœur, il est malade, amla. Alamatu dhalik, le signe pour savoir, annahu la tu'limuhu jarahat al-qaba'ih. وَلَا يُوجِعُهُ جَهْلُهُ بِالْحَقِّ. Quand il voit un munkar, ça ne lui fait rien. Dire Allah, il est combattu, ça ne le rend pas triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se moque de lui, il l'insulte, ça ne lui fait pas grand chose. هذا عياذا بالله, il est dans un état critique. قال ابن القيم وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. Il voit فسوق وفجور dans la rue, من التبرج, من comme min masa'ib, un des péchés répandus dans la plupart des bilades, ça ne lui fait rien. Bel, c'est devenu normal. Le cœur, il est malade. Amma, celui qui est touché, ça lui fait du mal quand le dîn est combattu, quand la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas suivie, quand les péchés sont répandus, falihmadillah, ça montre que son cœur, il est vivant. Qala, wala yuji'uhu jahluhu bilhaq. Kadhalik, ce cœur malade, il se contente de son ignorance. Ça ne lui fait pas de mal. Amma, celui qui s'aperçoit et sait, connaît son nefs, il manque de ilm, il n'a pas la capacité de lire telle chose, de comprendre telle chose, et ça lui fait du mal, falhamdulillah, son cœur, il est vivant. Qala, wa aqaiduhu al-batila, fa inna al-qalb, idha kana fihi hayatun ta'allama bi wurud al-qabi' alayhi, wa ta'allama bi jahlihi bil-haq, bi hasbi hayati. Plus ce cœur, il est vivant, plus ça lui fera du mal s'il y a des ma'asi et s'il est ignorant, il a akhir. Et moins ça lui fait du mal, plus son cœur il est malade. Ayyadam billah. Qala rahmatullah alayhi. Après avoir cité les trois cœurs, le cœur mort, al-mayyit. Qabla dhalik al-salim, le cœur pur. Le troisième cœur, al-marid, le malade. Et on a cité une faïda pour savoir est-ce que le cœur il est malade, amla. الآن رحمة الله عليه on va lire كلامه في العلاج. Comment se soigner? Comment soigner ce cœur malade? قال وعلاج القلب من جميع أمراضه قد تضمنه القرآن الكريم. Pour guérir ce cœur, la solution, le remède, c'est le Coran. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال شفاء لما في الصدور. الشفاء c'est la guérison. فالله سبحانه وتعالى il a révélé ce Coran عظيم au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم et c'est une guérison pour chaque mu'min.
شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. C'est الهدى la guider et كذلك c'est une rahma pour le mu'minin. Si tu veux te soigner, tu veux progresser dans ton din, akhi al-karim, donne beaucoup de temps à ce Coran. Et nahnu fi al-haqiqa on est muqassir fi hadha. On doit faire plus d'efforts. قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة comme dans le premier verset. Si tu veux être soigné, tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala yarhamuk, donne de l'importance à son livre. هذا القرآن c'est كلام الله, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن ne pas comprendre de هذا أن c'est une simple lecture sans comprendre, sans appliquer. Là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال القرآن حجة لك أو عليك. Le Coran c'est imma pour toi, imma contre toi. Enfin, c'est pas une simple lecture et al-amal yukhalif. Ou comme ils font le ba'd l'an. Annahum ils accrochent le Coran partout et ils donnent aucune importance à la compréhension et au amal. Ils accrochent dans leur voiture, ils accrochent chez eux et tu trouves leur vie, elle contredit le Coran al-Karim dans plusieurs points. Ou dans de nombreux points, ayyadan billah. قال ابن القيم رحمة الله عليه فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي. Pour celui qui apprend هذا القرآن comme ils l'ont appris السلف. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنهم ils apprenaient divers. ثم ils apprenaient le sens, ثم ils les appliquaient et ils passaient au verset suivant. هكذا ils étaient السلف. أما apprendre le Coran par cœur ou le lire tous les jours et faire aucun effort pour le comprendre et le contredire leilan wa nahara, فأين الفائدة؟ بل c'est une hujja contre sahibihi s'il a les moyens de comprendre. قال ابن القيم رحمه الله فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي. C'est une guérison contre ces deux maladies, الجهل والغي. فإن الجهل مرض, l'ignorance c'est une maladie. هذا القرآن c'est al-huda, c'est l'ilm. Tu vas apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas apprendre comment ta croyance. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et sunnah, sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle va te détailler akthar. Il y en a quand on dit revenir au Coran. Kadhalika sunnah, li anna al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala amara bil rujou' ila sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma atakum ar-rasul fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Ça c'est sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahmatullah alayhi shifa'uhu al-ilm wal-huda. Pour guérir cette maladie de l'ignorance, le remède c'est quoi? C'est l'ilm wal-huda. Ce Coran on doit l'apprendre nahnu et on doit comprendre. Et si on l'a compris, on doit faire des efforts pour l'appliquer. Fa mathalan fi al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala amara an-nisa bil-hijab. Chaque femme elle doit porter al-hijab. Amma l'accrocher ou le réciter, thumma cette femme, elle ne porte pas le hijab, elle n'a pas appliqué le Coran. Le réciter, ce n'est pas suffisant fi hadha al-hal. C'est une récitation avec une compréhension et une application. Le Coran, maintenant, il nous a interdit de pratiquer l'usure, riba. C'est haram. Celui qui accroche le Coran, ou il a acheté plusieurs mushaf et il les met chez lui, et il applique, il profite de riba, hadha il est ala khatra azim. Le Coran al-Karim, beaucoup de versets nous interdisent Allah, il nous interdit d'adorer autre qu'Allah. Tu trouves le ba'd, il a un mushaf chez lui, il yahfad le Coran. Il le récite, quand son fils il est malade, il égorge pour un mort. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Si tu associes Allah, Allah il t'annule toutes tes œuvres. Tu trouves hada, il égorge pour autre qu'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah. Allah il le maudit et il pense qu'il aime le Coran et il le récite, il a akhiré. Ça n'a aucune utilité celui qui fait du shirk. C'est ça al-muhim qu'il faut comprendre. Al-Quran ilman wa amalan. Vaut mieux apprendre peu et appliquer que beaucoup et se contredire. Et ce Coran c'est contre toi yawm al-qiyama. Qala rahmatullah alayhi wa amrad al-qulub naw'an. Il fait une précision, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, les maladies du cœur, elles se divisent en deux.
نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو مرض الجهل والشبهات والشكوك وهذا أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس به. Ça c'est la plus grave des maladies. مرض الشبهات والشكوك. Les doutes, les ambiguïtés, الشبه عيدا بالله. Tout ça à cause du manque de ilm. فهذا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه لا يتألم صاحبه في الحال. Hey, tu ressens pas un mal sur le coup. ربما une شبهة est rentrée dans ton cœur et tu t'en es même pas aperçu. C'est pour ça que c'est très grave les choubahs. C'est pour ça que Ahlul Ilm n'y met en garde. Écarte-toi de Ahlul Choubah. Fais attention au qil wa qal. Fais attention à qui tu parles. Fais attention à qui tu écoutes. Les livres que tu lis. Fais attention. Il y a une choubah. Quand elle rentre dans ton cœur, tu t'en rends même pas compte. Alors que c'est une maladie. Qala wa nou'un maradun mu'lim fil hal. La deuxième catégorie, elle te fait du mal sur le coup. C'est une maladie du cœur et tu sens, elle te rend triste. قال كالهم والغم والحزن والغيظ وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية بإزالة أسبابها وغير ذلك. Deuxième catégorie, elle te fait du mal, comme la tristesse, l'énervement. واحد يتعرف fait du mal. Tu sens que ça te fait du mal et tu sais que c'est mauvais. Ça te fait du mal. هذه tu peux la repousser, ولله الحمد, bien sûr, avec le Coran, avec l'Athkar, avec بعض الأدوية, ولله الحمد. لكن la première, elle est repoussée qu'avec l'ilm. Enfin, la plus grave des deux maladies, c'est la maladie des shubuhat, فالحضر. Ça nous montre qu'on doit donner de l'importance au ilm. Apprendre notre dîn. كم من شبه الآن منتشرة في الأمة. Des choubahs sur les gouverneurs. بعضهم يطعن فيهم ليلا ونهارا avec des choubahs. Si tu ne fais pas attention, cette choubah elle rentre dans ton cœur. ربما تهلك. Tu finis مع الخوارج عيادا بالله. كم من choubah, choubah الروافض, qui insulte أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Avec des choubahs عيادا بالله. Choubah المعطلة والأشعر المحرفة. Donc on doit faire attention, apprendre notre aqidah. Pour te préserver de ces choubahs, la solution c'est apprendre ton din. Khassatan ilm al-tawhid wal-aqidah, ilm al-asma'i wa-sifat. C'est ça qui va rendre ce cœur plus fort, pur, qui va t'écarter des maladies. Apprendre notre aqidah. Tu trouves al-ba'd, ils font des efforts, walillahi alhamd, lakin ils négligent ce point, et c'est un point essentiel. La langue arabe c'est muhim, lakin la langue arabe c'est pour apprendre l'aqidah. Ça ne doit pas être une passion. بعض الكفار كما تعلمون يزم لا لانغ عربي لا برين سي با دي مسلمين لكن سي ان باسيون يزم بيان لي لانغ فاي لا برون لا لانغ عرب بار كوريوزيتي الى اخره فالحذر نحن ميم لا لانغ عرب كونت اون لا برون سي بور دين سي بور ابروندر نوت عقيده اي سي اون ا با لا لانغ عرب فا اون ابرون عقيده افيك نوتر لانغ اي نتعاون افيك نو فرير ولله الحمد جوسكا كون ابرين لا لانغ عرب سا سي مهم التوحيد والعقيده سي لي دو رومد qu'on a besoin pour soigner cette maladie des choubahs. قال وعلاج القلب يكون بأمور أربعة. الأمر الأول أي pour se soigner, il va citer, il va terminer avec هذا quatre points qui vont t'aider جدا. Le premier point pour soigner ce cœur. القرآن الكريم تقدم معنا. On a déjà cité كلام ابن القيم في هذا. الأمر الثاني القلب يحتاج إلى ثلاثة أمور. Il va citer trois points dans l'amr thani, et la deuxième catégorie, thumma il y a des sous-catégories. Trois points qui vont t'aider, akhil karim. Le premier قال ما يحفظ عليه قوته وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح وعمل أوراد الطاعات. Pour préserver ce cœur, soigner ce cœur, fais attention à être régulier. في العمل الصالح لأن هذا القلب c'est comme une terre. L'eau c'est l'ilm. Cette terre si elle est arrosée régulièrement cette terre si elle est arrosée régulièrement cette terre elle va profiter. أما si on coupe l'eau فربما تموت هكذا أنت tu حافظ على أعمالك que ce soit الصلوات النوافل الأذكار قراءة القرآن tout ça بإذن الله عز وجل ça va t'aider à préserver ce cœur et à le protéger des deux maladies الشبه les ambiguïtés والشهوات les passions. قال ثانيا
Deuxièmement, al-himyatu 'an al-madar wa dhalik bi ijtinab jami' al-ma'asi wa anwa' al-mukhalafat. Donc premièrement, tu es régulier fi ta'at. Et si tu as eu un manque, tu te rattrapes. Et khassatan al-adhkar. Adhkar al-sabah wa al-masa. Adhkar quand tu rentres chez toi, quand tu sors avant de dormir, quand tu te réveilles, tout ça c'est nafi'. Les mains, c'est comme de l'eau, tu arroses ce cœur. Quand tu faiblis, tu te rappelles. C'est ça al-adhkar. Et l'ibadat, 5 salawat. Dohor, tu fais salat, ton iman il monte. Rubama, tu t'es mélangé avec ba'd al-nas, ton iman il est descendu, asr ça remonte. Wa hakada. Celui qui est régulier, il hafiz alayhi, il préserve ce cœur. Deuxièmement, al-himyatu min al-madar. Tu fais attention des choses qui peuvent rendre malade ce cœur, al-ma'asi. Un regard haram, écouter du haram, se mélanger avec des foussards, tout ça, ça peut te rendre malade. Enfin, enta, tu fais attention. Fais attention contre les choses qui peuvent te rendre malade. قال ثالثا الاستفرار من كل مادة مؤذية وذلك بالتوبة والاستغفار. Troisièmement, peut-être que tu as une maladie, une ma'asiyah, tu es éprouvé par quelque chose. Fais des efforts pour retirer cette chose de ton cœur. C'est comme un corps, il a un virus, il a une chose qui lui fait du mal. Le médecin, il va tout faire pour enlever cette chose qui lui fait du mal. Thomas, avec le temps, ça cicatrise et il va mieux. Hakadha al-qalb. Si tu as quelque chose, là, le seul moyen pour l'enlever, c'est at-tawba wa al-istighfar. Tu fais tawba et tu demandes pardon à Allah Azza wa Jalla et tu fais des efforts. Enfin, c'est trois points. Vous avez remarqué qu'il y a un point, il est régulier, il y a un point, tu repousses, et il y a un point, tu as la maladie, et tu fais tout pour l'enlever, tu demandes à Allah Azza wa Jalla al-ghufran. Min al-umur kadhalik ibn al-qayyim cite. قال علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه كذلك سكرم مالات سكر النفس ton âme. قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس بين جنبيك elle est en toi, ton âme elle t'incite au mal. Tu dois faire attention, c'est un adou, c'est un ennemi et elle est en toi. قال علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. Fais attention que ton nefs, elle ne prenne pas le dessus. Si ton nefs, elle est attirée par du haram et tu sais que c'est haram, fais attention. Ne te rabaisse pas. Si ton nefs, elle prend le dessus, elle t'emmène à faire beaucoup de haram. Qala, lahu ilajan. Deux moyens pour te préserver, pour te guérir contre ton nefs, les maux de ton nefs. Qala muhasabatuha wa mukhalafatuha. Wal muhasabatu nawa'an. Deux choses, al-muhasaba ou al-mukhalafa. Al-muhasaba, ça veut dire que tu te demandes des comptes à toi-même. Tous les jours, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, da'iman, tu te demandes des comptes. Est-ce que j'ai fait telle chose? Est-ce que j'ai réussi à m'écarter de telle chose? Est-ce que je me suis amélioré dans telle chose? Al-muhasaba, ça va t'aider jiddan. Celui qui hasab nafsa, fa bi'idnillahi azza wa jal, il avance. كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج فمحاسبة النفس يطلع على عيوبها ونقائضها فيمكنه السعي في إصلاحها. C'est هؤلاء qui avancent. Celui qui se demande des comptes à lui-même. On fait attention de ne pas regarder que les autres. بعض الناس عيادا بالله ابتلوا بمرض, ils regardent que les autres. Un tel il a fait, un tel il a dit, et que les autres. Et il ne se demande jamais des comptes à lui-même. Alors que chacun de nous, on a des faiblesses, on a des manquements. Ben, beaucoup de manquements. Enfin, celui qui se demande des comptes à lui-même. J'en suis où avec l'ilm? J'en suis où avec as-salat? J'en suis où avec l'hijra? J'en suis où avec mes parents? J'en suis où avec mes enfants? Et il se demande des comptes. Est-ce que j'ai fait telle chose cette semaine? Est-ce que j'ai fait qiyam al-layl? Est-ce que j'ai fait une sadaqa? Est-ce que j'ai assisté à une janaza? Il se pose ces questions. Ça va le pousser à s'améliorer. Amma celui qui se demande aucun nafs, aucun hisab à lui, il regarde que les autres, enfin, il va voir la faiblesse des autres et il va penser qu'il est à la khayr. Et c'est shaitan qui l'égare. Enfin, demande des comptes à toi-même et lis la biographie de Salaf et tu vas t'apercevoir qu'on est très très loin. Très très loin dans certains points. Enfin, en lisant la biographie de Salaf, tu vas voir l'état et le niveau qu'ils ont atteint, fil ilm ou l'amal. Et tu vas te rendre compte qu'on est des masakines. Et ça va te pousser à faire des efforts. Et tu demandes tes comptes à toi-même. Et si tu connais dans ton entourage des gens qui font des mukhalafat,
montre-leur billati hiya ahsan. C'est comme ça qu'on avance. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, fa muhasabatuha wa mukhalafatuha kadhalik mukhalafatu an-nafs. Fais attention de ne pas suivre ton nafs. Ahyanan tu le sens là, ton nafs elle veut voir telle chose, elle veut faire telle chose. Fais attention, bloque-la. Hadhihi an-nafs si tu la bloques, elle s'adapte. Si tu la laisses, elle prend le dessus. Qala wal muhasabatu naw'an. Al-muhasaba, se rendre, demander des comptes à soi-même, il y a deux sortes كذلك. Naw'un qabla al-'amal wa naw'un ba'da al-'amal. Tu te demandes des comptes avant l'amal. Est-ce que j'ai fait telle chose? Ça va te pousser à faire. Et une fois que tu as fait, كذلك, tu te remets en question. Est-ce que j'ai fait, c'était à la sunna? Est-ce que j'avais une bonne niya? Tu verras que tu vas trouver des manquements. Et à chaque fois, tu t'améliores. On fait attention de ne pas regarder, que regarder les autres. Là, tu seras jugé sur tes œuvres, pas sur les œuvres des autres. Lakin, sans négliger bien sûr l'amr bil ma'ruf, wa nahi anil munkar, wa nasiha ila akhirih. Qala, wa jima'u dhalik. Et conclut ce point. An yuhasib nafsahu awwalan ala al-fara'id. Awwalan, tu te remets en question sur al-fara'id. Faut pas regarder loin, ahyanan al-fara'id. Commence par salat al-fajr. Thumma salat al-duhr ila akhirih. Thumma, tu te remets en question sur est-ce que tu as fait le hajj, si tu as les moyens. Est-ce que tu as fait le hijra, c'est un wajib azim. Est-ce que tu as l'obligation? Est-ce que tu connais ta aqida? Est-ce que tu connais ma'na shahadatayn? Est-ce que tu connais les cinq piliers de l'islam? Ramadan il arrive, est-ce que tu sais comment jeûner? Tu te poses ces questions et tu verras que tu vas t'améliorer bi idnillahi azza wa jal. Les ana pour soigner une maladie, il faut la connaître. Mais celui qui ignore annahu il est malade, comment il va se soigner? Il ne sait même pas qu'il doit se soigner. Qala, thumma yukammiluha in kanat naqisa. Si s'aperçoit qu'il a des manquements fil ibada, il complète. Qala, thumma yuhasibuha ala al-manahi, les interdictions. Un regard, une mauvaise parole, un mauvais comportement, rubbama médisance, rubbama des choses. Des choses qu'il n'arrive pas encore à faire, fayuhasib nafsa. Annahu, il me manque telle chose, il me manque telle chose. Wa'ad al-nas, cette muhasaba, ils la font fi dunya et ils avancent. Les mains d'Annahu, ils sont attirés que par dunya. Prends l'exemple de Al-Kafara. Yuhasibuna anfusahum fi dunya. Annahu, ils doivent s'améliorer dans telle chose, ils doivent s'améliorer dans tel domaine et ils ont fait des efforts fi dunya. Lakin, nahnu, c'est pas dunya qu'on veut. Dunya za'ila. Dunya sahl, tu patientes, ça passera. Hasib nafsak sur ton din. Al-fara'id, les obligations et les interdictions. Et tu verras où t'es et fais des efforts. Qala, fa'in arafta annahu irtakaba shay'an minha tadarakahu bit-tawba wal-istighfar thumma ma 'amilat bihi jawarihuhu thumma 'ala al-ghafla. Kadhalik, fais attention à al-ghafla, l'insouciance. Ne te laisse pas aller avec les autres. Ils sont fi ghafla shadida, ils travaillent, rubbama ils sont mariés, et ils ont une routine, ghafla. Et ils font plus d'efforts, ils se contentent du peu. Bal ba'dhum shaytan, il a rentré une chouba, ayadam billah, anna mon cœur il est blanc, anna je fais de mal à personne. Alhamdulillah, tu fais du mal à personne, lakin est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tansur din Allah azza wa jal? Est-ce que tu t'entraides avec tes frères? Est-ce que tu avances fil ilm? أما البعض يسون هكذا بل نود شبهة خطيرة أن البعض يقولون الله لغفور لرحيم au lieu de حسب son nef se remettre en question الشيطان il lui a fait rentrer cette شبهة dans son cœur. Allah il pardonne et il fait plus d'efforts. ما تدري الله لغفور لرحيم et il est شديد العقاب فريق في الجنة وفريق في السعير فما تدري où que tu seras. Fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala يرحم Al-mu'minin, ceux qui lui demandent, qui font des efforts. Amma, celui qui se laisse aller et il est conseillé, il ne veut pas accepter. Allah, il peut lui pardonner. Allah, il peut lui châtier. Ayyadam billah. Qala al-amr al-rabi', dernier point. Ilaj marad al-qalb min istila'i shaytan. Hada al-adou kadhalik, il fait beaucoup de mal. Allah subhanahu wa ta'ala, donc plusieurs versets, et on a déjà traité ce sujet ensemble, walillahi al-hamd, ou ma'a ba'd al-ikhwan, anna shaytan c'est un adou. Il fera tout pour pénétrer dans ce cœur, pour te le salir. Et le shaitan, il sait, adou Allah, anna ce qui sauvera l'abd, bi'idnillahi azza wa jal, c'est ta'a, c'est l'ikhlas. La première porte qu'il essaie d'ouvrir, c'est celle du cœur. Fa'idha tamakkana,
il fait ce qu'il veut avec ce abd, ayyadun billah. Fais attention à ce adou. قال ابن القيم رحمة الله عليه الشيطان عدو الإنسان والفكاك منه هو بما شرع الله من الاستعاذة وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من شر النفس وشر الشيطان فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a appris un ذكر qu'il faut dire le matin et le soir. Et un Nabi صلى الله عليه وسلم dans ce ذكر il a demandé protection contre ces deux ennemis, النفس والشيطان. قال رحمة الله عليه وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة ومن شر النفس وشر الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إلى دي أبو بكر رضي الله عنه il lui a appris ce dua. قل أي tous les matins et tous les soirs اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت ثناء على الله التوحيد توحيد العبادة. Vous avez remarqué que le début ثناء على الله أن الله c'est الملك c'est الرب c'est الخالق فاطر السماوات والأرض ثم الشهادة بالوحدانية التوحيد أشهد أن لا إله إلا أنت أي que toi يا رب qui mérite d'être adoré ثم une demande comme dans الفاتحة. Le dars qu'on a fait ensemble. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ila akhiri. Tout ça, c'est al-thana. Thumma, un dua. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Huna, qala alayhi salatu wassalam, a'udhu bika min sharri nafsi. Tu demandes protection à Allah contre ton nafs. Limadha, liyana, tout ce qu'on a cité dans ce dars, c'est que des asbab. Amma, celui que Allah y guide, fala mudilla lah, wa man yahdi allahu, fala mudilla lah, wa man yudlil, fala hadiya lah. Et fil hadith, قال صلى الله عليه وسلم أن القلوب قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Les tous les cœurs ils sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah سبحانه وتعالى. Il les retourne comme il veut عز وجل. لهذا on demande à Allah سبحانه وتعالى. حقيقة on a cité هذا à la fin mais c'est la principale cause. قال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشركة. Protection contre ces deux ennemis. An-nafs wa shaytan. C'est ces deux choses qui nous font beaucoup de mal. Qala wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Hada du'a'un tayyib. Et ce hadith, il est sahih. Qala ibn al-qayyim wal isti'adatu wal tawakkul wal ikhlas yamna' sultan al-shaytan. Tu veux empêcher al-shaytan يتمكن من قلبك et celui qui dit عياذا بالله qui te dit quoi faire et t'égare, c'est trois choses. الاستعاذة tu demandes à Allah سبحانه وتعالى que ça soit avec قراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أو هذا الذكر أو غيره, tu demandes protection à Allah سبحانه وتعالى contre الشيطان. التوكل place ta confiance en Allah. الشيطان il est ضعيف et كيده ضعيف. نعم, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان il peut rien te faire. وجنود الشيطان ils peuvent rien te faire. Tout ce qui se passe c'est بإذن الله عز وجل. فplace ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. والإخلاص المخلص il est موفق. Même s'il est ignorant, son إخلاص il va l'aider à faire des efforts. Même s'il s'est trompé, son إخلاص il l'aide à revenir. Même s'il a fait un péché, son ikhlas, il l'aide l'idnillah à faire tawbah. Enfin, l'ikhlas, les gens ne pourront rien te donner. Les gens aujourd'hui, ils te complimentent, demain, Rabbama, certains ils te critiquent, بغير حق. Mais celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمة الله عليه خراب القلب. Et on conclut هذه الكلمة avec هذه الفائدة الطيبة. خراب القلب. الخراب, c'est quelque chose qui est en ruine. فَخَرَابُ الْقَلْبِ. Le cœur qui est en ruine, c'est quoi la cause? مِنَ الْأَمْنِ وَالْغَفْلَ. On doit faire attention à ces deux choses. Et on a cité في الدرس في الحقيقة. الأمن والغفلة. الأمن, c'est se sentir en sécurité. Comme on a cité, بعضهم, ils disent Allah, il est غفور رحيم, ils ne font plus aucun effort. هَذَا أَمْنٌ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَمِنْ عَذَابِ اللَّهِ. Ça, c'est très très grave. لَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ. فالعبرة سبيل خواتيم الاساسيال اي سا سيغا سور كوا تو فا مورير وهذا ما تدري ففي دي زيفور. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر
أن un temps il viendra أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. Le matin il sera mu'min, le soir il sera kafir. نحن on ne sait pas. فلا تأمن على نفسك. Ne te sens pas en sécurité. Celui qui se sent en sécurité, il se laisse aller. عياذا بالله. لا. دائما المؤمن entre خوف ورجاء. T'as peur, لأن الله سبحانه وتعالى c'est le ملك. Et il a créé le nar, Azza wa Jal, et il remplira le nar, bil djinn wal ins. Et كذلك tu espères, لأن الله il est ghafour, il est rahim. Et il a créé le jannah pour récompenser certains de ses serviteurs. Et tu espères faire partie de ha'oula. Enfin, entre le khawf et le raja, on s'écarte de l'amn, se sentir en sécurité, et qu'anna on ne peut pas être châtié, et كذلك on s'écarte du désespoir. Anna on désespère. Là, entre les deux. Entre le khawf et le raja. كذلك الغفلة خراب القلب من الأمن والغفلة. الغفلة c'est l'insouciance. Oublier, rentrer fi dunya, travailler, se marier, ghafla. بعضهم عيادا بالله leur vie elle est passée dans le sport. Ghafla. Qu'est-ce qui va t'apporter ce sport? Fais des efforts, travaille ce cœur. Wallahi, un cœur qui est fondé sur l'aqida, qui est fondé sur l'iman, yasbir. Et on l'a vu, هذا. Anna fi al-shada'id. Et dans les moments difficiles, al-mu'min qui a une aqida solide. Wallahi, même si physiquement il est très faible, yasbir wa yatahammal. Et un autre qui a passé sa vie dans le sport, l'entraînement, il a akhri, عند al-shada'id, si son cœur il est da'if, wallahi, la moindre chose, yatazazah, wala yasbir. Et Obama, il devient comme un enfant. Travaille ce cœur, akhi al-karim. قال ابن القيم رحمه الله وعمارته. Donc al kharab c'est la ruine, quelque chose qui est délaissé. وعمارته ça vient de al-imara, est quelque chose de rempli. Pour remplir ce cœur, min al-khashyati wa al-dhikr. Al-dhikr ça va t'écarter de la ghafla. Et al-khashya ça va t'écarter des ma'asi. Al-khashya c'est la crainte et al-dhikr c'est le rappel. Enfin, si tu veux faire vivre ce cœur, التقوى والخشية, tu fais des efforts في العلم, et tu fais des efforts في العبادة, et tu fais des efforts في الذكر والقرآن, et tu t'écartes de الغفلة والمعاصي et des mauvaises fréquentations, et بإذن الله عز وجل tu préserveras ce cœur. Tout ça bien sûr avec الدعاء. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر, il faisait beaucoup ce دعاء. اللهم ثبت قلبي على دينك. Allahumma thabbit qalbi ala ta'atik. Al-thabat c'est important. Aujourd'hui tu peux être ala khayr, lakin ma tadri demain. Et al-mukhlis bi-idhnillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala la yadlim ahad, lakin on fait des efforts daiman hatta nalqa Allah azza wa jal. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa sadat wa an yujannibana fitan al-shubuhat wa al-shahawat, innahu waliyu dhalik wa al-qadiru alayhi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Celui qui veut détailler هذا اكثر, هذا الكتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان, c'est un kitab nafis jidd. Au début il cite une dizaine de chapitres qu'on a résumé ensemble sur امراض القلوب. ثم il cite النفس اي l'âme qui t'a fait du mal, et on a résumé. ثم il cite الشيطان. Et tout le reste du livre, ils l'ont imprimé en deux volumes, c'est sur Kayd al-Shaytan, les ruses de Shaytan, comment se préserver. Et rahmatullah alayhi, il a détaillé jiddan. Ibn Qayyim, wufiqa, la'alla bi sabab ikhlasi. Et il a fait beaucoup d'efforts fait l'ilm, et ses livres, c'est devenu des références. Kadhalik Zad al-Ma'ad al-Mujallad al-Rabi', il a cité ma yata'allaq bi tib al-Quloub. Et c'est des fossoul nafisa, on en a déjà lu un, ma'a ba'd al-Ikhwan. Wallahi alhamd. Et de temps en temps se rappeler ce genre de sujet, c'est muhim. Enfin, celui qui veut détailler hada, ou il veut une référence, Ighathatul Lahafan, les premiers chapitres, le début du livre, enfin, il y a plusieurs points sur ma yata'allaq bil qalb. Wallahu musta'an. Hayyakum Allah.